bien à faire. J'aurais beau insister, mon emblème ne se développera pas davantage. Ah. Le premier emblème, le mien, est spécialisé dans la création. Le deuxième emblème est celui de la puissance. Et le troisième, celui des tirs successifs. Si je veux devenir encore plus fort, il me faut obtenir le quatrième emblème, celui qui est le plus adapté au combat magique. On naît avec un emblème et il est impossible d'en changer par la suite. Puisque c'est ainsi... On a bien avancé, on sera bientôt à la capitale. Alors comme ça, à 12 ans, vous quittez déjà votre domaine pour aller passer un examen? J'ai hâte d'entrer à l'académie et de devenir plus fort. Oh, inutile de se précipiter. Même si chez vous, vous dominiez déjà votre emblème, vous avez toute la vie devant vous. Un monstre se trouve à proximité. Il se dirige droit vers nous. C'est un monstre de taille très imposante. Grand comme deux fois votre chariot. Quel petit plaisantin vous faites. S'il était aussi grand, ce serait un monstre de catégorie calamité. C'est bon, je l'ai terrassé. Renforcement corporel et fer tranchant suffisent largement contre un ennemi aussi faible. Quel changement. La capitale n'a vraiment rien à voir avec ma terre natale. L'épée de mon ami s'est brisée. Je vous en prie, faites quelque chose, s'il vous plaît. C'est bon, pas la peine de me hurler dans les oreilles. Veuillez m'excuser, monsieur. C'est que, vous voyez, elle a cassé son épée magique en me protégeant d'un monstre. Alors... Une épée magique? Et c'est ça que tu souhaites remplacer? Je suis désolé, mais tu m'en demandes trop, petite. S'il vous plaît, c'est vraiment très important. Oui, j'ai compris, mais ça n'y change rien. Ces armes sont de bonne qualité, mais pas leur enchantement, loin de là. Voyons le reste. Je te dis que c'est impossible, alors n'insiste pas. Je ne peux pas accepter ça! L'examen doit avoir lieu demain. Sans épée, mon ami va échouer! Si c'est tellement urgent, tu ferais mieux de filer et de t'adresser ailleurs. Je suis désolé, mais je ne peux pas forger une épée magique tout seul. Vous êtes mon dernier espoir! Et mes épées, elles ne conviennent pas? Il en faut une de cette longueur-là. Et il faut qu'une fille puisse facilement la manier d'une seule main. Vous voyez? En effet, j'aimerais bien t'aider, petite, mais le problème, c'est qu'à moins de l'enchanter, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est très compliqué à faire. Je peux m'en charger si vous voulez. Hein? Attends, tu es sérieux? Écoute, jeune homme, c'est toujours facile de jouer les fanfarons, mais crois-moi, dans la vie, ça ne rapporte jamais rien de mentir sur ses capacités. Je sais bien, le quatrième emblème n'est pas vraiment idéal pour les enchantements. Toutefois... il devrait suffire pour une tâche simple. Ah, parce qu'en plus, tu as un emblème déficient. Allons, allons, rentre chez toi, mon garçon. Monsieur, je veux passer commande d'une épée. Hein? Incorporez-y cette pierre magique, s'il vous plaît. Comment ça, tu plaisantes, j'espère? Non, j'ai décidé de miser sur ce garçon. Réfléchis bien, petite. S'il rate son coup, l'épée sera utilisable, mais pas la pierre magique. Oui, je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Et il se trouve que mon instinct me trompe rarement. Jeune homme inconnu, je te confie l'enchantement. Et au fait, j'y pense, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Alma. Alma Lepusius. Je suis partie de chez mes parents parce que ça ne me tentait pas du tout d'être mariée à un inconnu. Moi, je suis Mathias. Mathias Hildesheimer. Mais tu peux m'appeler Mati. Je suis ravie de te rencontrer, Mati. Je t'ai pas dit? L'épée appartient à l'amie qui m'a accompagnée à la capitale. Elle doit me rejoindre ici d'une minute à l'autre. Alma? Ah, quand on parle du loup, Louri! Alma, alors qu'est-ce que ça a donné ici? Ah! Ce qu'elle est jolie! Moi, je reviens, bredouille. Personne n'a pu m'aider.
Jamais je n'aurai une épée magique d'ici demain. Je n'en suis pas si sûre, je te présente Mati. Il est très gentil, il dit qu'il est capable d'enchanter une lame pour nous. Je suis Mathias Hildesheimer, ravie de faire votre connaissance, mademoiselle. Mais pourquoi est-ce que tu la vouvoies, elle? Elle a l'air consternée, elle a pas aimé ma façon de lui parler. Pas étonnant, j'ai jamais eu d'amis, j'ai pas l'habitude. Laurie, ça va pas? Ravie, moi aussi, je suis Laurie Abendroth. Et je n'ai ni fiancée, ni petite amie. Si possible, j'aimerais que tu m'appelles Laurie et que tu me tutoies. Pas de petite amie? Je voulais dire, enfin... Ça doit être une sorte de coutume ici d'annoncer son statut amoureux aux gens qu'on rencontre. J'ai terminé. Hein? Bon, autour de l'enchantement. Je peux avoir la pierre? Tu vas le faire tout de suite? Oui, ça ne prendra que peu de temps. Bon, si tu le dis... Je me lance. Vas-y, on a confiance. Vu sa longueur et sa légèreté, mieux vaut la consolider d'emblée, avec affermissement et fer tranchant. Ça devrait faire l'affaire. Vas-y, essaye-la. Quoi? Déjà? Tu l'as vraiment enchantée? Tu plaisantes? C'est impossible de le faire aussi vite. Bah oui, Mati, d'habitude ça dure beaucoup plus longtemps. Et de plus, tu n'as prononcé aucune incantation. Attendez avant de critiquer, je vais l'essayer. Si elle est enchantée, on le verra tout de suite et... Elle l'est. Aucun doute là-dessus. Oui, elle coupe bien, c'est sûr. Quelle sorcellerie as-tu utilisée pendant ces quelques petites secondes? Ça n'était que de la magie ordinaire. Ordinaire, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Mais t'es qui au juste, Mati, pour avoir un talent pareil? Un enchantement instantané, c'est insensé, c'est du jamais vu. Pourtant, aucun doute là-dessus, l'épée est réellement embuée de magie. Et sans que tu aies dit un mot. Et tu ne l'as pas non plus échangée. Comme c'est moi qui l'ai forgée, je l'aurais remarqué. Ce qui m'amène à la seule conclusion possible. Quelle conclusion? Dis-moi, petit, tu aimerais devenir enchanteur? Non, pas du tout. À présent, l'examen pratique va commencer. Il évalue la pratique de l'escrime et de la magie. Bien! Bonjour, Mati. Ah? Alors, toi aussi, tu es venue en ville pour passer l'examen d'entrée? Oui. J'y crois pas. Le sujet de tactique était super dur. Sur un autre thème, j'aurais assuré, mais là, j'ai été nulle. Courage, les amis. Ça va aller. On va réussir l'examen tous les trois, je le sens. C'est clair. Ouais. Ne baisse pas ta garde. Tu es d'une ténacité remarquable. Voyons si tu arrives à parer ma prochaine attaque. Mais comment? Je me rends. Mais d'où tu sors cette épée? J'ai réussi, Mati, grâce à toi. C'est génial, bravo Laurie. Je la dois à ton épée, elle est fantastique. Non, t'exagères. Suivant, Mathias Hildesheimer. Mon tour est enfin venu. Bonne chance, Mati, ça va aller. Merci. Tiens, où est passé l'examinateur? Alors, Mathias Hildesheimer, il paraît que c'est toi qui as réussi à enchanter l'arme de Laurie Abendroth. Oui, c'est exact, mais qui êtes-vous? L'examinateur serait trop gentil. C'est moi qui vais t'affronter. Tu m'intéresses, et j'en profiterai pour jauger ce que t'a inculqué Castor, ton père. Ah, vous connaissez mon père? En effet. Si tu te défends bien, je te recommanderai, quelles que soient les notes que tu obtiendras dans les autres épreuves. J'ai compris, monsieur. Sa posture me laisse des ouvertures. Il compte me ménager, du moins au début. S'il croit que je vais me contenter de me défendre correctement, il se trompe du tout au tout. C'est un examen. Je le passerai haut la main en prouvant mes compétences. Quoi? Tu as la force de bloquer mon coup? Je capitule. Gail, le capitaine des chevaliers a perdu. C'est incroyable, il l'a battu, tu te rends compte? Oui, ça s'est passé si vite que j'ai à peine pu voir ce qui se passait pendant le combat. Très bien, passons maintenant à l'examen de magie. Laurie Abendroth, c'est à vous. Bien. Vous allez tirer sur ces 5 cibles en utilisant flèche de feu.
Oh, magie du feu qui habite mon corps. Change-toi en flèche et que ta pointe transperce mon ennemi. Bien joué. Continue comme ça, Lori. De la magie incantée. Comme son nom l'indique, il s'agit d'activer un sort en prononçant une formule donnée. C'est une magie accessible, n'importe qui peut l'employer, mais elle est d'une efficacité réduite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et toute interruption de l'incantation lui est fatale, déplorable dans un combat. On aurait dû l'abandonner il y a des lustres. Génial ! Vous voyez, rien ne surpasse l'emblème glorieux. J'aurais bien voulu le recevoir à la naissance. À notre époque, c'est le premier emblème, celui qui est compatible avec la magie incantée, qui est considéré comme le plus approprié et le plus redoutable dans les combats magiques. Il est aussi tout le contraire du mien, le quatrième emblème. Monsieur, doit-on obligatoirement utiliser flèche de feu ? Non, ça n'a rien d'obligatoire. C'est simplement un sort extrêmement basique. Oh. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres matières compenseront peut-être votre emblème déficient. Donc, le seul but est de détruire les cibles. Oui, c'est bien ça. Le problème, c'est que la magie de l'emblème déficient a une portée très courte. Elle ne parcourra même pas un tiers de la distance. Pardon, monsieur. Je crois que vous devriez vous éloigner davantage. Simple mesure de précaution. J'ai appliqué une direction, mais ce n'est pas parfait. Loin de là. Mais comment a-t-il pu activer sa magie sans prononcer d'incantation ? Il utilise de la magie muette. La magie muette est négligée et le quatrième emblème méprisé. Voilà la norme de notre époque. Je trouve cela infiniment regrettable. Oh mince! J'y suis allée un peu fort, je crois. Parfait. Ce costume me va comme un gant. Salut, Mati! Hein? Oh. Elle est adorable en uniforme. Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Oh, rien, rien du tout. Ah, venez, les filles, la cérémonie de rentrée va commencer. À présent, le directeur de l'académie va s'adresser à vous. Bonjour, jeunes gens, je suis Edward, votre directeur. J'ai horreur des longs discours. Voilà donc le fameux directeur Edward. À la seconde académie, seuls comptent les compétences. C'est pourquoi je vous dirai, au diable votre lignée ou votre emblème. Peaufinez vos talents, car vous êtes l'avenir. Ce sera tout. Oh. En effet, il ne s'est pas étalé sur le sujet. Ah, j'oubliais. Élève Mathias Hildesheimer. Je dois te parler. Retrouve-moi dans mon bureau après la cérémonie. Pourquoi le directeur m'a convoqué? Parce que j'ai tout démoli dans la cour? Il va me renvoyer dès le premier jour? Pourtant, j'ai tout réparé d'un seul sort. Entre, Mathias. Je n'ai pas que ça à faire. Bien. Décidément, ça sent pas bon. Mathias Hildesheimer, tu as vaincu à l'épée le capitaine des chevaliers et tu as employé la magie muette sans la moindre difficulté apparente. Nous savons que tu es le fils de Castor, mais ce n'est pas une explication suffisante. Posséder une telle force à un si jeune âge est tout à fait exceptionnel. Toutefois, je ne t'interrogerai pas là-dessus. Je me contenterai de solliciter ton aide pour un projet important. Vous avez besoin de mon aide ? Absolument. Tu as vu, pendant le concours, les étudiants utilisaient la magie incantée. Oui, monsieur. Mais pourquoi employer une méthode aussi vaine ? La magie muette est bien plus efficace, c'est évident. Une méthode vaine, dis-tu ? Je suis d'accord avec toi, Mathias. Malheureusement, il se trouve que l'art de la magie muette est tombé dans l'oubli. Je m'en doutais. Je ne puis même pas affirmer que certains dans ce pays maîtrisent encore ce savoir complexe. La seconde académie souhaite néanmoins faire revivre la magie muette et l'enseigner à ses étudiants. C'est la raison de ta présence parmi nous. C'est une superbe initiative. Mais un obstacle nous en empêche. Un obstacle, monsieur ? Oui, mon garçon. Un obstacle de taille, puisqu'il s'agit de notre rivale, la première académie royale. Ses enseignements sont renommés et l'école jouit du soutien de l'aristocratie. La première académie enseigne déjà la magie muette, mais nous sommes décidés à marcher sur ses traces. Un enseignement renommé ? Tiens, regarde.
voilà le résultat de leurs recherches. Ça n'a rien d'exceptionnel. Seules les incantations sont mentionnées, rien de plus. Oui, je sais. À ce jour, la magicologie n'est pas encore allée plus loin que cela. La magie muette n'est d'ailleurs même pas reconnue. Comment pourrait-on y remédier ? En démontrant son pouvoir de la façon la plus éclatante qui soit. Durant le tournoi qui opposera les étudiants sélectionnés par les académies. Alors si je comprends bien, vous attendez de moi que je participe à ce fameux tournoi ? Exact. Mais j'aimerais surtout que tu nous inities à l'art subtil de la magie muette. Eh bien, Mathias, puis-je compter sur toi ? Bien sûr, monsieur. Oui ! Bien, votre attention, je vous prie. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la magie muette. Ah, c'est quoi ce truc-là ? J'en ai jamais entendu parler. Oui, je comprends votre étonnement. C'est pourquoi nous avons fait appel à un expert qui va partager son savoir avec nous. Eh, hey, mais je le reconnais. C'est le garçon qui a été premier à l'examen. Oui, c'est Matty et c'est mon ami. Arrête de te vanter de le connaître, maligne. Alors, Mathias, pourrais-tu commencer par nous faire une petite démonstration de magie muette ? Oui, volontiers. Waouh, c'est incroyable ce truc. C'est dingue, il a pas prononcé le moindre mot. Et tout ça avec l'emblème déficient. Ce serait pas plutôt un démon ce type ? Sachez bien que Mathias n'a en aucun cas le monopole de la magie muette. Professeur Geisel ? Bien. Malgré mes très faibles capacités magiques, voilà ce que je peux accomplir après une seule journée de cours intensif avec Mathias. Maintenant, que chacun d'entre vous s'y essaie. Bien. J'y suis parvenue, Matty. T'es fière de moi ? Oui, c'est formidable. Attends, je vais te montrer. Alors, qu'en pense le maître en la matière ? Qu'il n'y a pas besoin d'imiter les grognements du prof. Et toi, Laurie, ça va ? Oui, je crois que j'ai plus ou moins saisi la sensation, mais mon habitude d'incanter à voix haute me bloque complètement. Hein ? Et maintenant, on dirait bien que je suis à court d'énergie. Tout le monde s'améliore à vue d'œil. Cette méthode est tellement prodigieuse. C'est vraiment étrange qu'on ait cessé de l'utiliser pour lui préférer les incantations à voix haute. Elle a entièrement raison. Comment la magie muette a-t-elle pu décliner à ce point ? Matty, ça va ? J'y pense. Tu pourrais te tendre la main, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu fais ça ? C'est un geste très utile. Il sert à transférer de la magie d'une personne à l'autre. C'est possible, ça ? Un transfert de magie ? Oui. Il suffit de synchroniser sa magie avec l'individu ciblé. En fait, il s'agit d'un sort d'enchantement. D'enchantement ? Incroyable ! J'ai réussi ! Alors, t'as vu ça, Matty ? C'est très bien, continue. Et c'est ainsi que j'ai commencé à enseigner la magie muette aux étudiants. J'y consacrais un mois entier. C'est le grand jour ! J'ai terriblement le trac. J'espère qu'on n'affrontera pas d'élu magique. C'est quoi un élu magique ? On appelle ainsi les chefs surpuissants et surentraînés de l'équipe de la première académie. Chaque fois que la seconde académie part favorite, il y en a un qui s'interpose pour lui ravir la victoire. Ils sont terribles. Le précédent capitaine des mages en était un, lui aussi. L'un d'eux semble présent, je le sens. Et je peux vous dire qu'il possède 10 fois plus de magie que moi. 10 fois plus que toi ? Tant que ça ? Vraiment ? Mais alors ça équivaut à la force d'un démon ? Un démon, oui. Et les démons sont animés d'intentions hostiles envers l'humanité, non ? Oh oui, bien entendu. Ils sont de loin la plus grande menace qui pèse sur nous. Même en s'unissant, les mages royaux seraient bien incapables de les terrasser. Pourquoi tu poses la question, Mathias ? Non, pour rien. J'étais juste curieux. Les démons. Ils existent donc encore. Regardez, l'emblème déficient se ramène. Eh ben alors, ne nous dis pas que t'es venu tout seul. Oui, où sont passés tes petits camarades ? Je parie qu'ils ont filé la queue entre les jambes, non ? Emblème déficient ! Prosterne-toi devant le grand élu magique Devilis ! Cette année, la seconde académie semble avoir baissé les bras, n'est-ce pas, monsieur le directeur ? Ce sera donc notre 65e victoire consécutive. Je crois en toi, Mathias, tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'arrive, champion ? T'as perdu ta langue ? Mon glorieux emblème d'élu magique t'a fichu la trouille à ce point-là ? Cette fois, j'en suis certain, il n'est pas humain. C'est un démon. Il s'est simplement déguisé à l'aide d'un sort de camouflage.
Son emblème n'est qu'un artifice pour se mêler aux humains. Je déclare ouvert le 65e tournoi opposant les Académies Royales. Commencez ! Oh, magie du feu qui habite mon corps ! Les Lacey et Guest sont disqualifiés ! Comment oses-tu ? Oh, magie du feu ! Je le tiens. Il a activé son sort avant d'incanter. Il s'est trahi. La magie est apparue avant l'incantation. C'est pas normal, mais que se passe-t-il? Déjà son sort de défense. Autrement dit, il fait semblant d'incanter et ça se voit. Transperce! Contre un démon, visez la tête. Eh ben quoi? Plus la moindre incantation? C'est confirmé. Un démon magicien fait délibérément semblant d'utiliser des incantations. C'est son espèce qui est responsable du déclin de la magie muette. Affaiblir les humains donne forcément l'avantage aux démons. Ils ont donc fini par infiltrer la première académie et œuvrer pour que le quatrième emblème soit qualifié de déficient. Ah ! Oh, flamme ! C'est impossible ! Mais comment peux-tu être aussi fort ? C'est plutôt toi qui n'as aucun talent pour le combat magique ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui arrive ? J'avoue que je ne m'attendais pas à défaillance magique. Je sais. Pour t'empêcher d'identifier l'enchantement, j'ai simplement ajouté voile magique par-dessus. Ça alors ? Vous voyez ce que je vois ? Oh. Démilie, c'est un démon ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, c'est absolument impossible, pas Démilie ! Alertez vite le palais et qu'on évacue tout de suite les étudiants ! Un démon ! Alors, quel est ton plan ? Hein ? Les démons en fuite utilisent toujours vol vélos. Du déploiement des ailes au décollage, il mettra environ 15 secondes. 8 secondes pour enchanter, plus que 7 secondes. Facile comme tout. Quoi? C'en est fini de toi. Il a triomphé d'un démon. Il l'a vaincu, tout seul. Alors les démons ont infiltré l'académie. Pourtant, lorsque j'étais le sage Gaius, je les avais pratiquement tous anéantis. Décidément, le monde actuel m'a tout l'air d'être dans une situation critique. Alors Alma, quel emblème pour l'enchantement? Facile, le glorieux. Et pour la force, le commun. À toi Mati, énumère les emblèmes trois fois, très vite. Glorieux, commun, mineur, déficient. Glorieux, commun, mineur, déficient. Glorieux, commun, mineur, déficient. Ah!